Papier mâché, capsule promo numéro 1, budget 0, aptitude en montage vidéo 0, amour de vous, infini, capacité à faire imprimer la feuille en effet miroir pour que vous la voyez à l'endroit, incapable. Allô? Bienvenue dans le futur. Les critiques sont sorties, on va découvrir ça ensemble. Allô, c'est même pas du théâtre. Écoute, c'est pas parce qu'il n'y a pas de décor, pas de costume, pas de quatrième mur, pas de mise en scène et pas de personnage que c'est pas du théâtre. Ça m'a fait penser à Fred Pellerin. Mais c'est comme si on avait remplacé la parlure par des mots qui existent, la souvenance par de coquettes histoires surréalistes et les lutins de Saint-Élie de Caxton par des extraterrestres très sexy et très horny. Cela dit, les deux créateurs ont ceci en commun. Ils sont aussi divertissants que spirituellement nutritifs. Oh, je te remercie, Hans. J'étais contente parce que j'ai pu déballer un bonbon, éternuer et applaudir entre les numéros. J'avais l'impression d'être quelque part où j'ai le droit d'être. J'ai aimé ça. En plus, il y a un service de bar. J'ai fini saoul. Je ne savais pas que David avait un bail solitaire. Il devrait aller voir un médecin. D'ailleurs, si je me fie au segment où il chante du karaoké, il devrait également aller voir un psychologue et un prof de chant. Cet homme ne va pas bien, c'est clair. Bon. Apparemment, il y a trois façons d'échapper à la douleur de sa propre finitude. La religion, la folie ou l'art. J'ai choisi les trois. Bonjour! Le spectacle avait lieu à la salle Jean-Claude Germain du Centre du théâtre d'aujourd'hui, du 10 au 28 novembre 2015. C'est tout. Comment dire? Le gars chante même s'il chante mal, il joue du synthétiseur même s'il sait pas comment, puis il parle beaucoup même s'il articule pas toujours très bien. C'est un spectacle très décomplexant. Merci!